Shalom, shalom, prophète Joël Trasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Il est pratiquement 13h49 minutes, normalement heure de Paris. Soyez bénis, soyez fortifiés. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Que Dieu vous fortifie davantage, qu'il se manifeste encore dans votre vie et qu'il vous accorde, n'est-ce pas, sa grâce. Nous sommes aujourd'hui samedi. Samedi aujourd'hui, 27 octobre 2018. Voilà, shalom à vous. Voilà, commencez à partager la vidéo. On aura beaucoup de choses à se dire. Voilà, shalom, shalom. Soyez bénis. Ouais, Suzanne Beauté. Sophie, shalom. Partagez la vidéo, shalom. Commencez à partager la vidéo. Ouais, shalom à vous. Voilà, nous sommes dans un moment très important appelé pour que le mur de Jéricho tombe. Nous avons commencé depuis Lido Zadi. Tu te feras. Il faut que la nuit de Jéricho tombe. Voilà, donc nous sommes pratiquement aujourd'hui, c'est le sixième jour de ce moment de jeûne très important. Voilà, nous sommes dans un moment important où nous cherchons la face de l'Éternel. Et demain, nous aurons un culte très important. Tout le monde est invité à ce culte. Il y aura un puissant culte sur Paris, à Vitry-Sicelle. Nous allons poser les actions prophétiques pour renverser, n'est-ce pas, les forteresses sataniques démoniaques. Nous allons prier pour que les murs, effectivement, invisibles, ce qu'on appelle les barrières invisibles, puissent tomber, afin que nous puissions rentrer en possession de nos canons, afin que nous puissions entrer en possession de toutes nos grâces. Et le culte de demain sera très important pour chacun. Ne manquez pas ce culte de demain. On aura l'occasion de prier pour les malades. On aura l'occasion de, n'est-ce pas, prier. Il y aura beaucoup de séances de délivrance. Il y aura beaucoup d'œuvres spirituelles. Donc ne ratez pas. Le culte de demain, c'est vraiment important. Demain sera le 28. Le 28 octobre. Voilà, donc demain sur Paris, nous avons un puissant culte. Nous aurons un puissant culte demain sur Paris. Ne ratez pas ce culte. Nous allons prier pour que les forteresses tombent. Nous allons prier pour que les œuvres des ténèbres soient brisées. Nous allons prier pour la restauration de la vie des gens.
Nous allons prier pour, n'est-ce pas, pour que le pouvoir des ténèbres capture. Nous allons prier pour rentrer en possession de toutes nos grâces, parce que demain sera le septième jour. Il y aura des actions prophétiques. Le peuple d'Israël a fait sept fois le tour. Le septième jour, ont fait sept fois le tour. Et les murs sont tombés. Donc demain, pendant le culte, nous allons poser des actions prophétiques. C'est quelque chose qui est inhabituel. Nous allons le faire demain. Nous allons donner des enseignements à l'appui, n'est-ce pas, vis-à-vis des actions prophétiques. Comment faire tomber les murs invisibles, ce qu'on appelle les barrières invisibles, et rentrer en possession de toutes les grâces. Donc demain sera vraiment un culte très important. Pour ceux qui sont à Paris, voilà, vous pouvez être là demain, à ce culte de demain. Nous aurons beaucoup de choses à faire par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse davantage, que Dieu vous visite davantage. Recevez toute la grâce de Dieu. Voilà, recevez la grâce de Dieu chez vous, recevez la main de Dieu chez vous, recevez la puissance de Dieu chez vous. Ne manquez pas surtout demain. Pour ceux qui veulent expérimenter une délivrance véritable, ne ratez pas le culte de demain. Assistez à ce culte de demain. Vous rentrez en possession de beaucoup de choses, vous rentrez en possession de beaucoup de grâces. Vous comprenez beaucoup de choses et demain, ça sera du balèze ici à Paris. Et personnellement, à Vitry-sur-Seine, ça sera vraiment quelque chose de très balèze. Nous allons prier pour que les forteresses tombent. Nous allons prier pour que le diable lâche nos vies. Nous allons prier pour que Dieu soit, Jésus-Christ soit Seigneur dans notre vie. Voilà, donc c'était vraiment important pour moi de faire cette vidéo et d'annoncer, n'est-ce pas, l'événement de taille demain, le culte de demain. Il faut que les barrières tombent, il faut que les murs tombent, il faut que nous puissions entrer en possession des grâces et des bénédictions du Seigneur. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc, bon week-end à vous. Bon week-end à vous, que la grâce de Dieu demeure sur vous, que la main puissante du Saint-Esprit continue de vous visiter chez vous, que la main puissante du Saint-Esprit continue de vous assister. Cette grâce de Dieu continue d'abonder dans votre vie face à l'adversité. Jésus-Christ reste toujours Seigneur face à l'adversité. Jésus-Christ reste Seigneur. La Bible dit que si Dieu est pour vous, qui sera donc contre vous? On aura l'occasion d'expliquer comment le peuple d'Israël a été confronté à plusieurs combats dans le désert. Bien qu'Israël, bien conduit par Dieu, comment le peuple d'Israël a été confronté à plusieurs combats? Les Amalécites, les Amoréens, les Philistiens, les Jébusiens qui se sont opposés à la destinée du peuple d'Israël. Et à un moment donné, Dieu va délivrer Israël des mains de ses ennemis et Dieu va repositionner Israël dans sa gloire. Et nous allons, n'est-ce pas, avoir demain un culte merveilleux. Nous allons parler de tout ça. Maintenant, l'attitude du chrétien face aux attaques, les attitudes du chrétien face, face aux attaques, bien sûr, face à l'ennemi. On aura l'occasion de voir tout ça et par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de prier, n'est-ce pas, pour rentrer dans certaines bénédictions, et parce que c'est vraiment très important. Comment faire tomber les barrières invisibles? Comment rentrer dans certaines grâces? Comment rentrer dans certaines bénédictions? Voilà, c'est demain. C'est demain à Vitry-sur-Seine à partir de 14h. Voilà, de 14h à 20h à Vitry-sur-Seine. Voilà, donc demain aussi, c'est la famille Israël qui sera chargée, n'est-ce pas, d'organiser le culte, Voilà, donc je donnais de mes nouvelles, tout va bien. Nous sommes dans un moment très important. Toute l'Église, toutes les personnes qui nous suivent en même temps, dans un moment très important où il faut que les barrières invisibles tombent. Voilà, soyez fortifiés et soyez bénis. Bon week-end à chacun d'entre vous. Soyez fortifiés dans la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu, espérez toujours en lui. Et Dieu, il est fidèle. On dit, recommande ton soin à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Mets en lui ta confiance, il agira. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Bon week-end, soyez bénis.